Vous vous souvenez de Fleet? Ça, j'avoue, je l'ai déjà dit. Mais au cas où, pour rappel, Fleet, c'est plus de 100 nukes, dont une nuque au sniper, une nuke sans aide à la visée, une série de 81 kills sans mourir et des nukes avec presque toutes les armes. Mais il en manquait une. Une arme qui rend la nuque quasiment impossible. Même la montée en or est un calvaire. Elle sert clairement à rien. Cette arme, vous l'avez deviné, c'est le couteau. Et on a mis Fleet au défi. S'il réussit cette nuque, alors il pourra enfin rejoindre la Apex Clan. Et comme pour toutes ses nukes, il doit la faire sans VPN, sans reverse boost, bref, sans rien du tout. Je sais, on le répète à chaque fois, mais c'est sa particularité et on en est très fiers. Au cas où vous auriez pas suivi la dernière vidéo, on lui a déjà lancé plusieurs défis qu'il a tous réussi haut la main. Alors cette nuque, c'est clairement le défi ultime. Et au début, c'était vraiment pas gagné. Avant de vous montrer ce que ça a donné, on compte sur vous pour exploser la barre des likes, il le mérite vraiment. Abonnez-vous si c'est pas encore fait. Et maintenant, c'est parti pour la première tentative. Ah putain, mais genre personne fait ce move. Non. Oh. Heureusement, il est nul. Non. Vas-y, là, fais là-bas. Il est pas mort. Ouais, non, je me casse, hein. Faut les refs. J'arrive pas. Ouh, il est passé. Des munitions là. Ouais, non, les snipes. Hey. Attention à le mid LT, hein. Il est pas juré. Ouais, mais aussi à droite. Ouais, les munes, c'est plus des couteaux pour moi. Oh, j'ai le pire timing et c'est passé. Attends, il l'a balancé d'où la grenade là? C'est un mystère. Mais wesh, ouais, et Lali me tire dessus, c'est... Elle va bien. Évitez de prendre des plaques aussi. À part si vous êtes à quelques kills visat quoi. Qui est de la FK là. Ah, je non, c'est une blague. Je me fais tout voler. Par en dessous. Je vais pas crever, y'a pas de soucis. Triple délai expiré. Mais toi t'as des moves, mais what the fuck. De toute façon t'as l'annexe LT. Oui. L'annexe, j'ai pas mal de soucis. Vas-y, mets la. T'inquiète pas, cousin. Vertical Knight Crablo. Arrête. Des munitions là. Arrête. C'est pas drôle. J'ai flash. Si en vrai c'est drôle. Bah là en fait à part tenter des accros de map, j'ai pas trop de possibilités quoi. T'as la prochaine visage ou pas là? Ouais, j'ai envoyé. Ah, les gars, faut faire back, hein. Là je peux rien faire moi. Bah faut que je prenne des risques. J'ai pas le choix. Mais avant de continuer la vidéo les gars, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il n'y a rien de pire que de bugger sur Call of Duty. Alors si toi aussi t'en as marre d'avoir un ping aléatoire et des pics de lag inexplicables, notre sponsor GearUp Booster est fait pour toi. Adieu les lags et les connexions instables avec GearUp Booster, faites comme nous et optimisez votre ping. Le logiciel est super facile à utiliser et vous avez le droit à un essai gratuit sans rentrer d'informations de paiement. Et si vous êtes sur console, aucun problème, GearUp Booster a la solution pour vous avec le HyperRev, un routeur spécialement créé pour optimiser votre connexion sur console. Et pour les joueurs PC, le logiciel suffit amplement. Évidemment, j'ai parlé que de Call of Duty, mais ça fonctionne pour plein de jeux. Et les gars, attention, ça ne sert pas qu'à optimiser votre connexion, mais ça sert aussi à choisir la région dans laquelle vous voulez jouer, exactement comme un VPN. Et grâce à ça, comme les VPN, vous pouvez diminuer le SBMM. Alors toi aussi, fais la différence avec le réducteur de lag GearUp Booster. Le lien est en description et en commentaire épinglé. N'oublie pas, t'as un essai gratuit. Oh non. Il en faut plus pour m'avoir. Laissez-les-moi dans le bâtiment. Genre, tu sais, c'est bien. Hein. Merci. Je suis à 50. J'ai bien fait un kill, j'ai bien enchaîné là. Y'a full AFK et tout. Oh putain, mets-la. Laisse-moi le test, s'il te plaît, s'il bouge pas. Vas-y. J'ai un extra, je peux le mettre ou quoi? Moi j'ai bientôt la visade aussi, hein, donc. Vas-y, j'en vais. Oh nice. Middle. Allez, cette game, je la sens bien. Ouais. C'est chaud là. Ouh, il est aux pompes. Ouh, c'est dangereux.
Oh, j'ai peur, les gars. J'ai la viscérate encore. 27. Allez. Ça met des greux et tout. Mets là. Incroyable. Viscérate. Attends, hop. Non ! Vous l'avez compris, c'est raté pour cette fois, mais ce premier échec lui a permis de comprendre quelque chose d'essentiel. Skid Row, c'est vraiment la meilleure map pour ce défi et de loin. Il y a plein d'endroits pour se cacher et pour temporiser. Bref, elle est parfaite pour le corps à corps. Du coup, après environ 20 heures de jeu et plus de 30 tentatives, il est retombé sur Skid Row et il s'est passé ça. J'aime te faire du mal. J'adore souffrir, frère. Je suis un joueur code. Les joueurs code sont maso. Ah oui, et puis toi tu viens maintenant, tu peux pas venir avant. Derrière vous les gars. Quoi? Toi ton cerveau il est... Alors ça commence à devenir n'importe, c'est déjà n'importe quoi. On a perdu la première place. Oubliez pas, il faut la transi au niveau du P2. Ah je sais. On va prendre la vidéo. Attention. Chut. J'ai pas de timing. Ouais bon, y'a personne au mid aussi, attention hein. Non mais pourquoi t'es là toi? Ouais. Du bon FR en face hein. Mais tu viens d'où? Voilà. Ok l'allié. On va dire que ça me va. Non mais... Oh c'est chiant ça. Là il doit passer tous les jours, genre je suis en plein dessus. Pardon. C'est lui qui s'est acheté. Mais le mec visait déjà à terre. Ça n'a aucun sens. T'en en parles le mec immobile là. Frère, il savait qu'il était à terre. Comment il sait? Non. Allez. T'as les couteaux de lancer, il passe pas cette gamme. Hein. Je me sens qu'on a besoin de reconnaissance. De toute façon, faut que je tente. Je suis obligé d'oser des trucs comme ça. Je me suis derrière. C'est bien, la vie, fous-moi dans la merde. Je commence à être bien, moi. Putain, l'allié là. Allez, avance! Putain, mais les alliés, mais... Je laisse les munitions là. Le mythe, c'est la merde ou pas? De quoi? Oh, ça va. En haut? Okay. Non. Prenez l'escamine. Je vais attendre la main. À côté de toi, hein. Je sais pas qui est dans les escaliers, mais il était juste à côté de toi. Non, il est en bas. Là, si tu les chantes tous, flic, on va pas s'entendre aussi. Hein. J'ai quelques kills vistat. C'est gros, j'ai aucun kill depuis 10 minutes là. Hein. Ouais, bah, tu veux la vistat aussi ou. Changement de point aussi. Stratégique imminent. Mais c'est pas moi qui les prends, hein. Sache-le. Allez! Bien joué. Ah, j'aime bien ça! Beedle, les alliés.
putain, le monde qui est ici là. Oh non, mais pourquoi je regarde derrière d'un moment là. Les enfants, hein. Je peux pas là. L'autre il attend et tout. Non. C'est chaud. Ok. J'ai en 16. J'ai l'annexe et tout. Je la mets, ok, je la mets. Je mets des streaks. Hein. Pour pas que tu balances, tu vois. Ouais. Il me faudra. Ah, prends-le. Ouais, quand tu me fous vraiment dans la merde là. Tu me suis après. Hein. J'étais devant toi. Il m'a suivi là. Quel chien. Il va falloir que ça se file dans le coin. Ouais, mais là j'ai un problème de spawn. Après, y'a l'annexe et tout, je vais prendre mon temps. Juste, je suis au back, c'est solo quoi. C'est un peu le problème. Faut juste que j'attende que lui passe. Me faire un free kill. Va remonter, ça va me faire un autre free kill. Ah, je me fais KS. Vissat. Putain, tu m'as fait peur. Hein. Je laisse des munitions là. T'as eu au mid? Non. Ah, le gars sur C, je vais aller le prendre. Putain, pourquoi il regarde derrière? Je touche pas le mec sur C. Hein, mais... Tu l'as eu? Ouais, je l'ai eu. Allez. Essaye de gérer la Vissat. Là-bas en fait. Middle. C'est bon, j'ai marché, j'ai fait exprès pour que tu puisses sortir. Je suis dans la merde. Oh, putain. T'es où? Derrière toi, Nelly, à ta droite. On va rester ici. Hein. Il y avait un arc. Ouais, il est chez nous. C'est bon, il est mort. C'est juste de gérer la vie, ça, j'ai encore le temps et tout. Quelqu'un qui garde l'escamide, s'il vous plaît. C'est l'esca du mid. Putain, je viens de me prendre deux grenades là. T'as l'allié qui se fait. Ouais. Esca mid, ça va passer en boucle. Hein. Mec, j'ai trop peur là. On a le temps, concentre-toi. Je vais attendre la Vissat en fait. Ah putain, je suis mort, il m'attend. Je teste un peu en attendant. Ça fait gagner du temps là. Hein. Ouais, mais j'attends. Ça fait gagner du temps. Attends. Le backseat, il y en a deux qui arrivent là. Nouveau point stratégique confirmé. Patientez. Oh non. Faites gaffe hein, derrière. Point stratégique contesté. Brutal. J'ai maintenant la Vissat hein, donc. Ouais, j'attends frérot. Fais pas le con, t'inquiète pas. Je suis dans un coin avec un bouclier, je ne bouge pas. Hein. Non, je suis mort. Non. L'allié t'es un gros fils de pute. L'allié t'es un gros fils de pute. S'il te plaît avant. Juste focus toi. Encore à côté de toi. On est vite en série ou quoi? Faut que je prenne un risque hein. Putain, j'ai pas fantôme, y'a dans la nuit. Il faut qu'on crash sur le point, ouais. Faut que je parte au mid hein, j'ai pas le choix. Derrière. Oh, j'ai peur. Je sais pas quoi faire. Pétez-le. On peut pas, on a un
l'intérieur, on est en train de se protéger pour l'instant. Ça arrive du backseat en plus. Là derrière, je suis dans la merde. Sur le point. Attends. Il faut protéger le point, genre je peux pas être tout seul. Ouais, le point. Wow. Attends. S'il te plaît, frère. Laisse-le moi là, le free kill qui est dans le bac là. Oui! Let's go! Oh, j'ai eu trop de chance en 28, j'aurais dû mourir. Oh, je l'envoie. Ouais, hein. On va. Oh, GG pour l'aide, hein. Solo, je l'aurais jamais réussi, hein. J'ai eu de la chatte en 28, hein, j'aurais dû crever. Genre le mec, je crois il avait une base B, il m'a mis super low, j'étais une balle. J'ai eu trop de chance aussi sur les spawns. Je l'ai fait. Franchement, il a trop géré, Fleet c'est vraiment un génie. On avait des gros doutes sur le fait que ce soit possible sans reverse boost, bah il a prouvé que c'était bien possible. Je vous mets tous ses réseaux sociaux en description, il mérite vraiment votre abonnement. Pensez à liker pour le féliciter, abonnez-vous si c'est pas encore fait, et restez à l'affût pour la prochaine vidéo, vous allez kiffer de ouf.